Le meilleur des réveils avec Albert Spano et Caroline Turbide. De 6h à 9h30 sur RFM. Moment gênant, dérapage, anecdote qui croustille, tout est dans le débrief de la semaine sur RFM. Là pour nous présenter le débrief de la semaine, Hugo Delbecq, bonjour. Salut tout le monde. Salut Hugo. C'est parti pour le débrief de la semaine du meilleur des réveils, émission présentée par Albert et... Tutu ? Caroline. Caroline, appelée aussi Tutu, mais encore Caro. Et depuis cette semaine, il y a un autre surnom, écoutez. Alors on vous a prévenu il y a quelques secondes, Caro. Oula. Carlo. C'est vrai qu'il y a eu ce petit dérapage. Carlo, ma chérie. Ce changement de sexe. Caroline s'est bien vengée, vous entendrez ça dans le dernier extrait. Avant ça, cette semaine, il lui est arrivé une petite galère à Carlo. Très compliqué quand on fait de la radio et qu'on doit parler. C'est arrivé en plein horoscope, écoutez. Les cancers, ce ne sera pas la journée pour prendre des risques. Pardon, j'ai eu le hockey. Elle a eu le hockey. Et le problème du hockey, c'est quoi? C'est que ça ne s'arrête pas comme ça. Du coup, ça a continué. Vous êtes lion, vous pourrez avoir l'impression que tout se ligue contre vous, mais finalement, les obstacles ne seront pas insurmontables. Les vierges, je grandis en fait, vous savez, on disait ça quand je l'étais. C'est terrible quand ça t'arrive. Sans transition aucune, pardon. Cette semaine, il y a eu la journée internationale des maths et Albert a posé the question. Est-ce que les maths, ça vous a aidé dans la vraie vie? Alors moi j'ai une pensée émue pour le théorème de Pythagore et l'hypothalamus où je me dis ouais, c'est vrai que tous les jours je m'en sers, ils m'ont bien saoulé à apprendre ce théorème qui ne sert à rien. Voilà, Caro elle était tellement fâchée avec les maths qu'elle a oublié que pour le théorème de Pythagore c'est l'hypoténuse et pas l'hypothalamus. L'hypothalamus c'est un restaurant. Mon Dieu. Et enfin pour finir, le moment qu'on attendait tous, la vengeance de Caro envers Albert. Albert a reposé une question sur les maths et voici ce qui s'est passé. Ah oui, c'était bien. Est-ce que vous étiez bon en maths, Julie? Non. Caro? Non. Lucas? Mais pas du tout. Mais c'est pas vrai. Ah non. C'est vrai? Ah oui, oui. Mince alors. Toi, t'étais bon en maths peut-être? Mais non, pas du tout. Toi, t'allais même pas aller à l'école. C'est vrai. Bam, dans les dents. T'as vu? Oh, gratos. Et c'est sur ça que je vous laisse. Maintenant, vous vous démerdez, vous battez comme vous voulez. C'était même pas un coup de couteau dans le dos, c'est une balle tirée à bout portant. C'était bien de face. Voilà. Violence. Bravo, Hugo. Merci. Toute cette séquence est à retirer, est à retrouver sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Le meilleur des réveils, c'est seulement sur RFM.